le métal, pour bien, parce que bon, voilà, je fais de la musique aussi, mais on a souvent des clichés un peu. Alors le métal, pour moi, c'est les grosses guitares, les mecs qui crient dans les micros. Est-ce que c'est ça ou je sais pas trop? Il y a une part, il y a une part de vérité, il y a une part de cliché. D'accord. C'est vachement le cas, ouais. Bon, pour info, c'est vrai que la façon de chanter en métal, enfin pas pour tous les styles, c'est pareil, il faudra qu'on y revienne, parce qu'il y a tellement de mouvements différents dans le métal que c'est difficile de faire des généralités. Ah, il y a plusieurs mouvements dans le métal. Ah là là, mais il y en a des... Donc il y a une appellation comme ça, métal, mais en fait, il y a plusieurs tendances. Il y a plein de styles qui découlent de ça. Oui, beaucoup, quoi. Mais bon, il y a pas mal de styles, dans lesquels le chant s'appelle du scream. Donc, t'as raison. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une musique qui rentre dedans, quoi. Ça rentre très fort, et oui, il y a beaucoup de chants qui sont... Mais c'est quoi? C'est assimilé, parce que, bon, on connaît le hard rock. Alors voilà, les groupes, je sais pas, genre bah, ACDC, c'est du hard rock. Alors ACDC, c'est pas du gros rock. Moi je dirais que c'est du gros rock, mais à l'époque pour les anciens, c'était de la musique inavouable. Donc ça fait partie du hard rock. C'était du hard rock. Metallica, c'est du métal. C'est du heavy metal, ouais. Ah, c'est du heavy metal. Heavy metal, oui. Bah, attention. Et c'est plus méchant, ça. Heavy metal, ouais. C'est quoi la différence, enfin, déjà? C'est plus assimilé au trash metal, donc quelque chose d'un peu plus speed par rapport à ce qu'il y avait avant, notamment leur prédécesseur, tout ce qui était Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Ouais. Où c'était plus stoner, donc plus lent, avec des riffs un peu plus groovy, etc. Et des sons pas aussi travaillés, notamment en production, en studio, etc. Et sorti de là, le heavy metal avec des sons plus lourds, plus fat, quoi. Et par exemple, Grateful Dead, ça c'est quoi? Alors, dans le métal, il y a des choses qui sont vraiment dures à classifier parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes codes dans chaque chanson, etc. Le plus simple pour ça, c'est de prendre les plus grands groupes de métal et d'essayer de parler un peu de leur style, car ils ont leur identité sonore, souvent, que ce soit au niveau du chant, des guitares, des mises en place dans les morceaux aussi, etc. Mais genre, Bon Jovi, c'est... ça vous fait rigoler? Non, ça fait pas rigoler. C'est du métal pour minette, c'est du... Moi, je dirais que c'est du glam rock. Je sais pas ce que... Ah, glam rock, ouais, pas mal. Ouais, c'est du glam rock. Et en plus, ils sont... Enfin, faut replacer tous ces groupes dans leur époque. Parce que le métal actuel, il n'est pas apparu d'un seul coup comme ça, quoi. C'est toute une évolution de... On pourrait dire, si on remonte vraiment... arrête-moi si je me gourre, mais la première pierre, on pourrait dire, c'est Led Zepp et Black Sabbath. Ouais, je suis d'accord. Après, ces deux pierres-là, c'est 1968. D'accord. Arrêtez-moi les gars sur... Ah bah là, si il réagira très très vite. Mais je crois que c'est 68. Donc ça fait longtemps. Après, oui, il y a eu toute la vague ACDC, il y a eu toute la vague ACDC, Iron Maiden, Crew, ouais. Machin. Effectivement, il y a Bon Jovi qu'on a fait partie. Comment on appelait ça? Le Hard FM, on appelait ça à l'époque. Hard FM. C'est un mélange hard rock et musique FM. Hard rock, on va dire. Notamment véhiculé par des groupes comme Scorpion, etc. Aerosmith. On me dit, il y a un gros amalgame sur les métalleux. On dit toujours que ce sont des satanistes, ce qui est totalement débile. J'ai écouté du métal pendant des années. On m'a rabâché les oreilles avec ce cliché débile. Non, c'est pas vrai. D'où ça vient, ça? Alors pourquoi on a cette idée? Bon, c'est pareil, j'ai le cliché dans la tête, les mecs qui jettent de la viande crue sur le public. ça c'était le Black Sabbath. Ou Alice Cooper. Mais c'est quelque chose qui a fait vendre aussi une image si particulière à ce milieu aussi, quoi. Même si c'est pas le cas, évidemment. Mais ça a quand même permis à démocratiser, à faire parler aussi de ce nouveau mouvement à l'époque. Et les mecs, le métal, c'est les mecs avec les longs cheveux, c'est ça là, c'est... Qui bougent comme ça. Ça fait partie. Avec le truc de bouger la tête avec les cheveux, là, comme ça. Headbang. Comment Headbang. Headbang, ça s'appelle. D'accord. Ah oui, non, parce qu'on voit ça... On peut plus. Ah, vous aviez eu les cheveux aussi à un moment donné, d'accord. Pas longtemps au final. Mais c'est vrai que ça c'est des attitudes qui sont assez,
assez typique de ce mouvement-là, ouais, Le bien sûr. headbang, ah, c'est pas mal Headbang. ça. Je connais, voilà, je savais pas que ça portait un nom. On me dit, est-ce que vous connaissez le groupe System of a Down? Bien Oh, sûr, bien Down, sûr. oui, Bien bien sûr, sûr. System of a Down. Ouais. C'est des Arméniens. C'est des Ils ont fait, Arméniens, oui, ils ont d'accord. fait, ils ont fait, ils ont amené leur son, ils ont amené leur pierre à l'édifice. Ils ont vachement travaillé sur la rupture. C'est des chansons qui sont vachement sur les ruptures de tempo, les ruptures avec la voix. Il y a beaucoup de changements et ça a été une vague pour la dater, je sais pas, c'est fin 90 quoi, à peu près. Et ça, c'est des choses qui ont été c'est une vague. Il y a des fois, il y a des vagues de styles comme ça, Mais c'est les qui les groupes styles. phares? C'est vraiment les Zeppelin, Voilà, tout ça, quoi. qu'on lançait ça, on peut dire? C'est ça un peu Oui, oui, À vraiment. l'origine, ouais, à l'origine, à l'origine. Ça a débuté vraiment au Royaume-Uni, hein, Ah, ça a hard débuté au rock. Ouais, Royaume-Uni, c'est bien pas aux sûr, bien sûr. États-Unis, Non, d'accord. non, non. Ça a C'est venu débuté après. plutôt au Royaume-Uni, voilà, notamment avec des groupes comme ça, comme on a cité avant, quoi. C'est D'accord. cette vague-là, quoi. Mais c'est quoi? C'est les mecs, un jour, ils ont dit, oui, on va donner une sonorité particulière aux guitares. C'est quoi qui fait le truc de... Bah oui, C'est quoi qui ça a fait fait partie de le... l'évolution. Ça fait partie de Ouais. l'évolution. Par exemple, je peux dire moi personnellement, ça n'engage que moi, hein, que Hendrix, par exemple, Jimi Hendrix, Ouais. a donné Déjà, aussi sa part déjà, à l'édifice en voulant porter un message, lui, qu'il avait au fond de lui, avec des guitares plus puissantes, etc. Il a mélangé plusieurs sons, il a rajouté des saturations, etc. Et ça a donné naissance à des choses aussi pour passer des messages un peu plus puissants, quoi. Voilà. Et rien à voir avec comment on appelle ça, on va dire parallèlement dans la musique black aux États-Unis, c'était plutôt guitare wah-wah, je sais pas, la vague années 70, tout ça, Ouais. Isaac Hayes et tout, ça s'influe inter-influencé ça Bien ou sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. On Plus, un peu retrouve plus tard, ouais. notamment dans les grands groupes de heavy metal de l'époque, que ce soit Slayer, Metallica, Ah, Slayer, etc. il a été cité, ouais, Voilà, putain. voilà, on Ouais. retrouve pas mal dans les solos de guitare de ces guitar héros l'utilisation de la wah-wah, et qui vient effectivement de toute cette époque Motown, etc. Dans le métal, il ne faut pas oublier, surtout les jeunes qui là en ce moment nous regardent, etc., que ça a été influencé par d'autres musiques avant et que c'est pas sorti de nulle part et Ouais, qu'il c'est faut pas pas sorti d'un oublier seul ça. coup. Ouais. C'est pas Voilà. sorti d'un seul coup. Ouais, parce En fait, c'est un que... peu le principe de tout le monde cherche, puis il y a un jour un mec qui trouve un petit truc qui fait avancer d'un pas, et voilà, ça évolue, quoi. Ça change pas d'un seul coup, Mais il y a comme des dans toutes groupes, on les va musiques, dire, qui ont quoi. marqué, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'ils ont marqué bien avec sûr, bien sûr. Il un y a des groupes qui son. marquent encore. Ouais. Hein. Ça avance comme ça aussi, avec des groupes qui, je sais pas pourquoi, ils arrivent peut-être au bon moment, ou ils trouvent peut-être quelque chose d'autres que les autres, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, il y a eu des groupes qui ont vraiment marqué des étapes dans cette musique-là, oui, bien sûr. On a vu aussi des... On va dire des associations un peu comme il y avait eu Body Count avec Avec Ice-T, Ice-T, oui. voilà, c'est Jay-Z aussi avec je sais Linkin plus Park. avec Linkin Linkin Park. Park, voilà, Linkin Park. Oui, Ouais. bah le métal, c'est malgré tout, alors on verra, c'est un peu. C'est à la fois une musique très ouverte et à la fois une musique très fermée. C'est voilà, bon, faux. Mais à une époque, oui, il y a eu des croisements avec la funk, il y a eu des croisements avec le rap. C'est toute une période qu'on appelait fusion, quoi. Il y a eu Fusion, voilà. Il y a de eu la fusion. comment il Avec s'appelle? Suicidal Tendencies. Suicidal Ouais, voilà. Tendencies, Rage Against the Against Machine, the Machine, Limp effectivement, Bizkit. qui sont des grandes personnes. Limp Et Bizkit, aujourd'hui, enfin plus tard, Limp plus tard Limp Bizkit. Bizkit. Limp Il y a quelqu'un qui a réagi, c'est marrant, par rapport à Jimi Hendrix. Ouais, il dit quoi? J'ai même pas vu, C'est tu ce vois, qu'il tu dit, dis voilà, devant moi. la première inspiration hard rock était aussi Hendrix quand il a mis son ampli Ouais. avec le gain à Ah, quand fond. il a mis Ouais, son ampli avec le voilà, gain à avec le fond. gain à Ah fond, ouais. c'est ce Bah, que c'est Jane Lynch. disait. Non mais c'est tous des fans de hard rock, hein, je te dis. Ouais, On les a c'est frustrés bien, avec le rap. Bon là, ils se ouais. déchaînent aujourd'hui, ils sont contents là, hein, tu vois. Black Metal, je te propose Bad Ouais. Brains. Ok, Voilà, vous parlez, je crois que je vous laissais alors entre vous. Hein. Non mais ils sont... non mais ils sont... Black Metal, Bad Brains, faut faire gaffe à l'amalgame, parce qu'effectivement, ça a été, il y a eu assez peu au final, de blacks qui ont joué du métal. Ouais. Il y en a assez peu en général. Et Bad Brains, ouais, c'est des gens qui venaient, Lenny Kravitz, ouais, non, Lenny Kravitz, c'est pas du métal, non, et mais c'est pas du black metal, attention, c'est du faut FM pas, metal comme vous avez dit, alors, le hard black metal, FM. alors juste comme ça peut paraître con comme ça, mais je pense Ouais. que ce qu'il essaye de dire, c'est que black metal ne veut pas dire Musique musique jouée par les metal blacks, par les blacks, black, non, d'accord, non, non, c'est ça, oui, il faut pas c'est confondre, un style de musique dans le d'accord. métal, voilà, ouais, parce que là, le black metal, non, non, c'est
C'est encore autre chose avec des avec un visuel bien particulier, des codes bien particuliers. Mais voilà. pourquoi Et Bad Brains, oui, je connais, c'était effectivement, ça fait partie de la période un peu plus fusion. Voilà, c'est pas du style black metal. Et c'est quoi, pourquoi on dit métal déjà? Pourquoi? C'est quoi l'appellation métal, elle vient d'où? Wow. Bah, c'est ça, quoi? Tout le monde a un peu. Tout ah, monde chacun a un son peu. Explication, Ouais, ah, voilà. Que ça, ah. c'est bien. Et ça, ce serait bien d'avoir quelques réactions sur le chat par rapport à ça, parce que chacun a sa petite idée là-dessus. Moi, j'aime bien dire comme ça que ça vient un peu du son des guitares, vraiment, pour le coup, qui est devenu hyper Ouais, froid, froid, métallique. du coup, Ouais. comme le Comme métal, le métal, d'accord. Ouais, par exemple. ça se tient. Ouais. On me dit c'est un dérivé de rock, ouais. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un dérivé de rock? Bah, de toute façon, ça suit une évolution. Oui, bien sûr, Ça, qui lui-même est dérivé du il y aura, blues, etc. Donc, voilà. oui, bien sûr. Donc tout suit l'évolution. Que pensez-vous de la liberté d'expression dans le métal? Doit-on placer une limite ou non? Je pense aux pressions pour interdire certains groupes NSBM au Hellfest. Alors, NSBM, Bah, je sais pas, faudrait nous éclairer. Ouais, NSBM, NSBM, j'ai ouais. pas de. Je connais pas. Bah, moi La non plus. liberté d'expression dans le métal. Ouais, bah, je sais pas, il y a un groupe qui a été interdit, sans vous le dire. On me dit. Ouais, ça arrive, non, mais Ouais. ça arrive, ça arrive. Hein. Je sais que le groupe allemand, Rammstein, ça leur arrive aussi. Ouais. Oui, ça arrive. Je sais pas, le métal c'est de la musique c'est de l'art. Est-ce qu'il faut poser une limite à l'art ou pas? Moi, je ne pense pas. Voilà, Alors, c'est vaste hein, comme question, on ça, la parle de liberté Iron d'expression. Maiden. Alors, ils sont très connus pour le Ouais, coup. ouais, ouais, ouais. Là C'est pour le un de ses groupes coup. les Et ça plus peut être vendus dans classé le hard métal. FM, ça peut être Ah. classé hard FM pour le coup, oui. Parce que c'est très populaire, connu dans le monde. Mais est-ce que c'est quoi? Le hard FM, c'est du métal qui vend? C'est ça, c'est facile à Ouais, facile à écouter. écouter, ouais. Voilà. Ah, Alors, facile à écouter. voilà. C'est Easy marrant ça. listening, on peut dire Voilà. aussi. Ben ça c'est pareil, c'est à l'époque où Iron Maiden a fait ses premiers albums, et c'était pas facile à écouter. C'est toute Oui. une évolution, Parce qu'ils n'ont pas voilà. contribué à faciliter justement l'écoute, Oui, bien peut-être en sûr. fait Iron Maiden. Maiden, c'est vraiment un des groupes phares, Il y a une des super grands, réaction aussi, qu'est-ce qu'il y gros a? groupes phares. Hein. Qui vient effectivement, c'est Steppenwolf, le premier Ah oui, je groupe crois que qu'on le a terme classifié heavy metal a été avec utilisé Born pour to la Be, première ouais. fois dans la chanson Steppenwolf, Ouais, Born to effectivement, mais Be Wild. c'est exactement la même époque. Pour ceux qui nous écoutent, D'accord. que Led Zepp, etc. Black Rain, groupe de 2002 de glam metal. Ouais, Venant du. glam metal, vraiment, c'est ça, quoi. Glam metal, ça peut être par exemple, tu connais, je pense, les Guns N' Roses. Ah bah Guns N' Roses. Voilà, c'est un Voilà. son qu'on peut écouter Bon, avec je ses vis. clips, etc. Voilà, Guns qui N' font Roses, c'est la penser un même peu aux clique. histoires d'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et C'est c'est du le métal glam gentil. metal. Ouais, Ouais. gentil, C'est ça. comme. comment dire, en Europe, il y a Europe, le groupe Europe, non? Ouais, moi aussi. Ça les fait raser tous les groupes de merde, j'ai l'impression. Ah, mais c'est pas. C'est pas ce qu'ils écoutent, c'est sûr. Là, je vous ai. J'ai préparé une petite programmation de clips. Et voilà, je dis rien, mais après, tu vas voir peut-être la différence entre le métal qu'on écoute, que moi j'aime parce que c'est une programmation qui est personnelle, et qui est voilà qui a cours là ces derniers temps, dans les années 2000, et les groupes auxquels tu fais référence qui sont, on crache pas dessus parce qu'ils sont, ce sont des références, mais là aujourd'hui on est passé à vraiment une vitesse supérieure dans l'agressivité, dans le son, dans la qualité de la production, on est vraiment à la vitesse supérieure. Mais le métal, on peut dire, alors on sait, voilà, on l'avait dit, il y a le FM métal, le hard FM, mais au-delà justement de ces groupes, voilà, qui arrivent, on va dire, à passer le niveau mainstream, est-ce que les groupes plus indépendants, etc., il y a une scène qui est prolixe, qui peut s'exprimer, où il y a des radios, il y a des réseaux, Des radios, il y en a il y a pas peu de beaucoup. réseaux, Ouais, voilà, il y en a c'est pas ça, les beaucoup. réseaux, ils existent. Bah, il subsiste, on va dire, encore sur Paris, dans des petites salles, etc., où la programmation est encore là-dessus, mais c'est vrai que ça a tendance à disparaître, et c'est bien dommage, parce que ça laisse quand même une porte ouverte à des choses un peu plus extrêmes, où certaines personnes Ouais. auraient envie aussi de s'exprimer, quoi. On me dit, Maiden parle Meshuggah. de la franc-maçonnerie, sujet très sérieux dans le Machinette, texte. Meshuggah, vous allez en avoir, vous inquiétez Ouais. pas. Hein. La Alors, franc-maçonnerie. la Ouais. franc-maçonnerie. Alors, je n'étais Ouais. pas au courant. Maiden. On me dit Madden. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire Iron Maiden, mais je pense, Ouais, je j'imagine. pense. Ouais.
Non, bah, je ne suis pas au courant, non. Vous, bah, vous Alors découvrez là, aussi, alors d'accord. j'avoue que en même temps, c'est bon, pas ce qui nous intéresse. Hein. Nous, ouais, c'est leur ouais. musique hein, qui vraiment Ouais, nous parle. bon, on a plus une vision de musicien et de presque d'analyste dans la musique, quoi, plutôt que dans le voilà, dans tout ce qui gravite autour, dans tout le folklore, parce qu'il y a tout Ouais, un parce qu'il y a folklore tout, vraiment y a, autour. voilà, même l'idée, par exemple, c'est vrai que c'est très lié quand on dit satanisme, c'est un cliché, mais on voit quand même une imagerie autour. Je veux dire, Iron Maiden, Oui, ils ont bien toujours sûr, bien des sûr. crânes, des mecs. C'est leur mascotte. Ça a été un des premiers groupes, alors je dis un des premiers groupes, pour être sûr de ne pas me gourer, peut-être c'est le premier, à utiliser justement une effigie comme ça, une mascotte, pour tout leur visuel. Ça a D'accord. bien marché. Eddie. Il s'appelle Eddie. Ouais, la Oui, bien sûr. mascotte La mascotte, s'appelle ça Eddie. c'est Eddie. Et tout leur visuel est basé là-dessus. Le visuel, c'est super important. Il y a Kiss qui avait fait ça aussi avec les maquillages. Enfin, vraiment, ça a toujours accompagné cette musique-là. Et ils ont très vite compris, les gens qui faisaient à l'époque du hard rock et puis après du metal et encore aujourd'hui, on vend de la musique, mais on vend aussi une image. Et que l'image, elle se vend parfois aussi bien, voire peut-être des fois mieux que la musique. La musique, Et ouais. ça, ils ont très bien compris ça. Et ils ont vendu aussi, si je peux me permettre, une identité vestimentaire aussi derrière Aussi, ça, quoi. d'accord, Carrément. ouais. Bah oui, parce que finalement, c'est un peu comme le rap, on va dire, il y a toute une, voilà, des codes Ouais, il y a plein de codes, vestimentaires, il y a des plein coupes de de codes. cheveux, Bien etc. sûr. Tout ça, ça va avec tout. Presque un folklore, on peut dire un peu, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et un groupe Voilà. comme Lofofora, c'est du... Ouais, C'est c'était à quoi? C'est l'époque du la métal, ça, fusion. non? C'est du C'est métal, c'est fusion, un peu c'est fusion, fusion, métal ouais. fusion, comme Ouais. on... Ouais. Mais qu'on respecte parce que ça vient de chez nous. Et des Français. Ouais, c'est des Aussi. Français, bah oui. Eh oui. On n'est pas chauvin, mais ça fait toujours. Ça fait toujours plaisir, Mais comme ça fait ça. plaisir Parfois. parce que ce Pas beaucoup. milieu-là est très accaparé par les Américains et Ouais, les complètement. Suédois. Et maintenant, les Français arrivent en force, etc. On vous Voilà. montrera, vous allez Ouais, voir. il y en a qui disent Ah ouais. c'est théâtral, ça fait partie du. C'est Oui, c'est théâtral, ça théâtral. fait partie du folklore de Ouais. certains groupes. Bien Slipknot sûr. qui nous dit ça. On me Ouais, dit, est-ce bien qu'il y a beaucoup de sûr. filles dans le métal? C'est vrai, ça. Il y a pas beaucoup de gens de filles. De plus en Oui, plus. il y en Il a. y a des filles qui Oui, chantent? De plus en oui, oui. plus. Arch Enemy, Arch Enemy, par c'est la exemple, chanteuse, ouais. c'est une chanteuse. Ouais. Il y en a d'autres que j'ai pas en tête, mais là, ils peuvent Il y en a nous d'autres et aider. tout, des chanteuses. Parce Oui, qu'on n'en voit pas bien beaucoup, sûr. faut dire, quand même, des Bah, chanteuses. là, il y C'est a toute une un autre point vague. commun avec le rap, finalement. C'est Je blindé de pense que, testostérone. ouais, je pense, mais ils vont aller plus vite qu'en rap, je pense, parce que là, quand même, il y a toute une vague de, il y a tout un style musical qui se développe, des groupes comme Epica, Nightwish, Lacuna Coil, Evanescence, enfin, il y en a plein, Ouais, il y en a plein. ouais. Et là, vraiment, c'est des chanteuses. Et ça fait partie vraiment d'une mouvance métal. Après, c'est une question de goût, hein, on aime ou on n'aime Non, bien pas, en tout sûr. cas, bon, voilà, ça existe, et il y a quand même pas mal de chanteuses dans les groupes de métal, dans certaines branches, ouais, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous aussi, vous êtes... Nous, on chante pas, nous. Non, non, non. Ah, mais il m'a posé ma question. Attends. Non, mais est-ce que vous pensez que, comme... Enfin, moi, je sais pas ce que j'ai observé, en tout cas, c'est qu'aux États-Unis et en Angleterre, les milieux musicaux, entre eux, étaient moins hermétiques qu'en France. Quand je dis ça, c'est au sens où ça se mélange très très facilement. Par exemple, justement, tout à l'heure, on a parlé des collaborations rappeurs métalleux. Bien Aux sûr. États-Unis, ça se fait depuis longtemps. Voilà, depuis Run-DMC, Aerosmith, hein, on était déjà dans les Oui, années 80. ouais. Donc, en France, par contre, pas du tout. Bah, Chacun de son côté, ouais, moi il n'y j'ai a envie pas de dire une de... phrase, 20 ans de retard, quoi. Comme d'habitude, par rapport aux États-Unis. C'est leur culture, on va pas leur enlever, on essaye de les copier tant bien que mal. Mais oui, on a toujours 20 ans de retard, mais ça va se faire, ça va se faire. Parce que en France, les milieux, par exemple, même en Angleterre, il n'est pas rare de trouver quelqu'un chez lui, je veux dire, dans sa discothèque, tu vas trouver du métal, du rap, de l'électro, du reggae. Ça lui pose aucun problème. T'auras beaucoup plus de mal en France. Le mec, s'il écoute du Bien reggae, il est sûr, dans le reggae, tu vois, il va pas te sortir un truc d'Iron Maiden avec un côté de Steel Mais Pulse. Enfin, il y en il y a, en a il y très en peu. Ouais, a, mais ils ouais, sont très très minoritaires. ouais, Alors que là-bas, c'est commun, c'est vrai, c'est vraiment ouais, commun, quoi. bien sûr. Ça arrivera. Ouais. Ça arrivera, faut un petit peu de patience. Voilà, en France, le musicien, il commence, le musicien de tout bord, hein, de tout style, il commence juste à être à peu près reconnu, mais pas encore complètement. Donc voilà, on a encore un peu de chemin à faire. Donc voilà, pour reconnaître le musicien de métal, enfin bref, ça va être Ça compliqué. va être dur. Mais ça commence, la preuve, moi, on enseigne cette musique, Ouais, vous vous enfin, je veux enseignez dire, on est quand le même métal. reconnu comme...
comme étant des enseignants qui savent le faire. Il y a quand même une démarche qui évolue, ça évolue. Mais bon, la France, on a une culture aussi qui est très forte. On peut pas tout briser comme ça d'un seul Non, coup. mais Faut disons laisser le que j'ai temps. l'impression que c'est Voilà, dans la c'est pas. mentalité, parce que Ouais, finalement, le bah ouais, milieu c'est rap culturel, existe, hein. le C'est milieu culturel. voilà, métal C'est existe, culturel, mais aux mais ça se États-Unis, mélange déjà, pas dans c'est. la musique, quoi. C'est très hermétique, Ouais, hein. bah C'est oui. chacun dans son Bah oui. milieu, les électros, ils font de l'électro, ils se mélangent Mais pas bon, avec les autres et les les machins. États-Unis, c'est déjà un peuple qui est mélangé à la base, quoi. Donc, nous, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là. Donc, Ouais. c'est plus, c'est, ça sera un peu plus long, ça sera compliqué, ça sera plus long, mais voilà, il y a pas, ça va se faire, ça va On se le faire, c'est souhaite en sûr, tout quoi. cas. C'est sûr, Ouais. ouais, c'est sûr, parce que, ben bah, voilà, Avoir des nouvelles maintenant, choses. nous, enfin, les élèves qu'on a en métal, ils écoutent pas que du métal. Ils écoutent Ils, de tout. voilà, Ils écoutent on fait tout. plein de choses avec eux. Et je pense que eux, ils vont commencer à vraiment changer la donne. J'espère. Enfin, on essaye. Alors on me dit le meilleur groupe de métal français actuel, c'est Peste Noire. Eh bien, certainement. Vous connaissez, j'imagine. Non, Hein, mais moi, je... le meilleur groupe, c'est ça qui est Ah bah c'est ça difficile. qu'elle dit, c'est Mantas. Non, mais c'est super parce que ça montre l'implication qu'un métalleux a par rapport à la musique qu'il aime. Il va l'identifier en tant que tel. C'est le meilleur groupe. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pas objectif, Alors, bah... c'est purement ressenti, etc. Mais si ça l'est pour lui, je suis content pour Ils disent, ne pensez-vous pas que ce manque de mélange entre les styles montre que la musique reflète une identité, surtout à un âge dû au manque de repères? Je suis Ce, complètement d'accord ouais. avec ce qu'il dit. Beaucoup de Ouais. jeunes C'est Nico et Clara. s'identifient, beaucoup de jeunes Ouais. s'identifient, que ce soit à un son, à une image, à un style vestimentaire, etc. Ils se réfugient vachement, effectivement, quand ils sont en manque de repères, notamment pour leur donner du courage, de la confiance en eux, etc. Donc oui, je suis plutôt Oui, tout à d'accord. fait, comme dans tous les. C'est inhérent à presque tous les Au rap styles. aussi, pas mal. Ouais. Alors, du metal reggae, Rastafari 666, vous connaissez? Ok. Non. Non, mais Là, on en bon. apprend et moi je suis Ouais, content ouais, ouais, d'apprendre ouais. ça. Bah, Rastafari. Ça existe du metal reggae, j'imagine, ça, hein, non? sûrement, ouais, Ouais. sûrement, sûrement. C'est Sûrement. tellement vaste, Ouais. le métal, que même les spécialistes qui écrivent dans les magazines, etc., ils peuvent pas. Enfin, c'est quasi impossible de connaître tous les groupes. D'avoir écouté tous les groupes. Déjà, dans un style, c'est compliqué. Dans des styles qui sont complètement enclavés, j'allais dire, où a priori on se dit on va pas trouver grand-chose. Déjà, ça se compte par milliers, réellement. Ah, dans le métal, oui. Donc, vraiment, c'est. Mais qui produit des labels indépendants? C'est qui produit tous ces Il y disques? a des labels indépendants. Enfin, Aux États-Unis, j'imagine, c'est un peu plus mainstream, mais en France, par exemple, c'est Mais il y en qui? a Il n'y a beaucoup qui pas de label s'autoproduisent en avec France. des gros home studios. Ah oui, il y a beaucoup Ah, bien d'autoprod sûr, en bien fait, sûr. d'accord, beaucoup d'autoprod, Ben, s'il y a des. D'ailleurs, s'il y a des gens sur le chat qui connaissent des labels français ou qui ont des labels français, ou qui, ça serait super intéressant qu'ils nous Ah bah disent et qu'ils allez-y, ouais. nous disent quel groupe travaille avec. Parce que trouver un label qui fait du métal en France, c'est compliqué. C'est pas facile. Pourtant, en C'est plus, pas il y a l'air facile. d'avoir un public, hein, parce que là, Ah ouais, mais. je les découvre moi aussi, hein, je connaissais pas leur côté Il y en a, il y a, voilà, très métalleux. gros Oui, bah public. oui, regarde, Là, Pantera, c'est du... Gojira, Ouais, Sepultura, les frères c'est du Carrelera, métalleux effectivement, 100%, bien quoi. sûr. On me dit Cold Chamber et la vague néo-métal, Korn Deftones. Oui, Korn, Ouais, ça, c'est la Deftones. vague du néo-métal, Ouais. effectivement. Il y a pu avoir Korn, aussi des groupes Deftones. comme Limp Bizkit. Limp Bizkit, Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Fox du sein de notre mère la Terre, je connais pas. Dream Evil Primal Fear. Vous Wow. connaissez? Moi, je ne Ça, connais pas ça, personnellement. y en Ils a, sortent tous les groupes, vous ils ont fait connaissez. Wikipédia dans Ah le monde du ouais, métal et ils les là, sortent là, là. tous, Ouais, parce que là, ils sortent des groupes, alors quoi. jamais entendu Ouais. parler. On me dit Marilyn Manson, c'est fait plutôt Oui, du rock que du métal. Ah ouais, vous, Marilyn Manson, c'est du métal, ça, ou du rock, ça? moi, je dirais que c'est de la pop. De la Pop. pop. Ah, c'est de Oui, la pop. ouais, c'est de la Ah, pop. vous Pop êtes rock, un peu. méchant, Pop hein. rock vénère. Allez, pop rock Pop vénère. rock Ouais, pop rock vénère. vénère. À tendance Gojira. bizarre, oui. Ouais, Gojira, là, ouais, on est Ouais, dans. voilà un Là, on groupe. est clairement dans le métal, on Ouais. est Là, dans c'est du un métal. groupe français Groupe français. qui fait des premières parties de Metallica, qui. Ils sont chez qui Ah, ils ont signé en maison de disque, ouais. Ah oui, Ouais. je sais plus, je sais plus. Par contre, c'est des Landes, et ils viennent des Landes en France. Ouais.
Ah d'accord, il voilà. y a une belle scène en France quand même, j'ai l'impression. Mais c'est pas, c'est ultra indé, c'est plus indé que le rap encore, c'est encore plus underground, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est plus indé que le rap, mais on n'est pas loin. Ouais. Ouais, parce que je sais, ça m'a l'air assez underground. Les concerts de métal, les mairies elles rechignent pas à les faire, ou il y a... nos propres jetés aussi. Parce que le rap, ils se méfient. Bon, ils ont pas tant remarqué. Non, mais oui, a priori, ils préfèrent programmer un groupe de blues qu'un groupe de métal. Mais ils programment du métal aussi, les MJC, les salles de spectacle, les salles de concert, oui. Mais sincèrement, ça se passe bien, les concerts. Il n'y a pas de problème de sécurité, pour rester poli. Non, non. Non, pas plus que dans, pas plus que dans les autres concerts. Ouais. Bon, ça bouge un peu, évidemment, comme dans tous les concerts, on va dire, où la musique est engagée. Mm-hmm. Je parle pas des textes, mais juste de la musique. Mais rien de très particulier. Oui, il n'y a pas de violence particulière dans les concerts de métal. Quoi. Non, ils se mettent des droites, mais c'est bon. Ils s'éclatent des bouteilles dans la tête, c'est gentil, c'est de l'amour. Si je peux me permettre, il y a des cons un peu partout, voilà. Mais sinon, c'est vrai que les gens qui viennent dans les festoches de métal, etc., c'est d'abord pour s'amuser, vraiment. Ouais, d'ailleurs, je crois que le Hellfest, qui est un gros festival, une grosse rencontre. Hellfest, le Hellfest, ouais. En France, hein, c'est tous les ans au mois de juin sur 3 jours. Ils ont, je crois, jamais eu de graves problèmes, alors que c'est sur 3 jours, c'est énorme. Et de l'avis de tous les gens qui passent du temps là-bas, qui y vont, moi j'ai des élèves qui y vont, c'est super bon enfant. Quoi. Mmh. Alors effectivement, devant, voilà, ça meuf, ça pite, ça pogote, mais ça reste bon enfant. Quoi. Ça reste très bon enfant. On me dit, que pensez-vous de Jello Biafra, No Means No ou Victims Family? Ouais, et ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est tout ça. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'il pense de Serge Garde ou de la libre antenne de... A priori, je... Vous aimez pas trop, apparemment. Moi, je connais pas. Non, c'est pas ça. Très sincèrement, ça, c'est des noms que moi, je. Enfin, voilà, je connais pas. Ah, d'accord. Ah, ils vous sortent des. Vous trichez un peu, j'ai l'impression. Hein, là, on va commencer à sortir. Nous aussi, on va regarder sur Google. Sortir les poupées trolls. Ah bon, on va en faire une nouvelle. On va vous faire une petite mascotte. Donc merci à Nico et Clara, justement. Donc une petite mascotte. Non, mais c'est ce que je disais. C'est tellement vaste. Moi, pour l'émission, j'avais commencé à faire une liste des groupes que je connaissais. Au bout d'une centaine, tu t'arrêtes parce que tu dis, j'en suis à peine 1% de ce que je vais pouvoir trouver. Ce que je vais pouvoir trouver, ça va représenter à peine 5% de ce qui existe. Enfin, donc voilà, c'est une vie, ça suffit pas pour connaître et puis même, tout ça, quoi. On pourrait dire, en tant que musicien métalleux, on devrait tout connaître, etc., mais non. Bon musicien entre guillemets, et dans le métal il faut avoir d'autres influences et connaître d'autres choses aussi. Tant mieux. Voilà. On me dit, le groupe Tool rend hommage à Bill X en reprenant ses citations. Je sais pas. D'accord, enfin Tool on connaît, après ce qui est dit, aucune idée, mais Tool oui, est un grand groupe pour moi de fusion, justement dont parlait Arnaud tout à l'heure, avec des innovations musicales et des mises en place. Du coup, là, on parle vraiment de la musique, des mises en place musicales super intéressantes. Il y a un truc intéressant. Ouais. Alors, la différence, c'est qu'en France, l'approche musicale est récente. Nous sommes dans un pays littéraire de base et non un accès sur la musique. Je suis d'accord avec lui, en plus, DC87. Ouais, parce que je trouve que les Américains ont une approche, et enfin les Anglo-Saxons, souvent, enfin Américains, Anglais, déjà très rythmique. Que nous, on n'est pas dans le rythmique. Ouais, ils sont dans l'entertainment, pardon. Ils sont vraiment dans le spectacle. Mmh. Donc la musique, oui, fait partie de leur culture. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, on est un peu plus chauvin là-dessus. Et puis, il faut bien le dire, dans les chiffres, un Américain et un Britannique achètent beaucoup plus de musique qu'un Français. Ouais. Déjà, à l'époque des CD, un Français n'achetait qu'un CD par an. Ok. Voilà, donc ça voulait tout dire. Un Américain, il en achetait, je sais plus, c'était 5 ou 6 par mois. Ouais. Ouais, tu vois, on n'était pas dans les mêmes... Non, on n'est pas du tout, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, les Cavalera Conspiracy. Ouais, Bon, Cavalera Conspiracy. Bon, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé de Sepultura tout à l'heure, et ouais, c'est des Sepultura, Brésiliens. Il n'y en ouais. a pas beaucoup, enfin, y en a, à l'époque, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup Du des métal groupes ethnique, on va dire. métal qui venaient du Brésil. Donc, le groupe, ça s'appelait Sepultura, c'était deux frères, Frère Cavalera. frères Cavalera. Bah voilà, après quand ça s'est arrêté, alors je sais plus dans quel ordre, il y a eu Cavalera Conspiracy et Soulfly. Je crois que c'est Soulfly avant et Cavalera Il me Conspiracy semble. après. Hein. Corrigez-nous si. Ouais. Il me semble, voilà. Et Sepultura, ça existe encore. Ouais, Sepultura, c'est Ouais, connu, ça existe ils ont un gros encore. succès, Sepultura. Ouais, il y a eu un gros succès Bah, avec l'album notamment, Roots. ouais, Refuse, Ouais, l'album d'avant, c'était Resist. Chaos AD. Et puis l'album après Roots, qu'ils avaient été enregistrés avec des Indiens d'Amazonie. Là-bas, vers chez eux. C'est un des albums phares, un des pavés, une des bibles du métal. Ah, Ces carrément, ouais, albums bien sûr. C'est Roots, même c'est pas des vraiment. Américains, ça fait. Et c'est des Brésiliens. Ouais. C'est énorme parce qu'il y a Mais c'est des. ça qu'on aime voir Il y a aussi. du métal partout, Ouais. confirmé dans tous les pays, Bien plus sûr. ou moins. C'est Ouais. comme le rap, ça aussi, un peu, Ouais. quelque part. Il y en a en Afrique aussi. Eh ben, on va aller voir. Parce Un que je crois Meta TV nous paye un aller-retour. aller-retour pour aller Ouais, vérifier le c'est métal ça. en Afrique. Mais ça m'étonnerait absolument pas. Pourquoi les Les métalleux teleus s'habillent en s'habillent en noir? noir, ouais. Ah. Pourquoi les teleus s'habillent en noir, c'est Bah, vrai. parce qu'on est triste et méchant. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai. Ouais. Ou alors, le noir, c'est ni beau ni moche, c'est noir. Voilà. Bon, Comme ça, ben on prend pas de risque. c'est classe, Je sais pas, ça moi. doit faire partie du folklore aussi. On me dit Roots, Bloody Roots. Vous connaissez Ouais, ça? c'est ça. Bah, Roots Bloody Roots, c'est le premier titre de l'album Roots de Sepultura. Ah bah voilà, bon bah Avec, il voilà. y en avait un On autre qui était est... bien connu, c'est celui qu'ils avaient enregistré avec les Indiens, la Matamahata. Bravo, Matamahata, bravo, Matamahata. C'était un bravo. truc assez. Ouais. Bah, personne n'avait jamais fait ça, quoi, avec des mecs qui ont des trous dans le nez et tout. Des vrais Indiens de tribu d'Amazonie, quoi. Ils sont venus avec leurs instruments, mais ils ont fait le tour du monde avec Sepultura. Moi, Ouais, j'aime bien dire que ouais, c'est du métal d'accord. ethnique. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ah, sympa ça. Ouais, On bon me dit ben. les tels de métal sont aussi éclectiques que le nombre de sous-genres. Ça va de la science-fiction à la fantasy, en passant par le sexe, drogue et rock'n'roll, critique de la société, satanisme et j'en passe. C'est un genre très ouvert qui se marie avec des styles aussi différents que le jazz, le rock, etc., le rap. Tout à fait. C'est Oui, la bonne c'est vrai. définition, hein, qui Exactement. dit différents C'est sont. vrai. C'est vrai depuis. C'est vrai depuis cette histoire de fusion. Ben, C'était ouais, dans voilà, les années à la fin 90. des années 80, début des années 90, ouais. Voilà. Avant, c'était un petit peu plus enclavé. Là, Ouais. ça s'est vraiment ouvert. Et oui, là, bien sûr, c'est vrai. Et tous les groupes actuels et les nouveaux groupes, ils prennent dans toutes ces cultures ce qu'ils ont envie de prendre, quoi. Ils les ont intégrés et ils synthétisent pas tout, mais il y a vraiment des influences un peu de partout, de l'électro, du rap, de toutes les musiques, quoi, bien sûr. Dans ce sens-là, oui, c'est assez ouvert comme musique. On me dit le métal a beaucoup de succès en Iran et en Irak. Ah bon? C'est confirmé? Non, je sais pas si c'est un troll. Je sais pas, j'y vais pas souvent là-bas, donc ça existe encore Black Ouais. Bombay, je crois que oui. Ouais. Black Bombay, Black Bombay, ouais, il me ouais. semble. Ouais. The Clash, c'est quoi? Du métal ça d'ailleurs, non? Non, Le The groupe The Clash. Clash, non, Ah, c'est. The Clash, non, on va Oh, dire que c'est plus pop. du. Non, c'est du petit punk. Ouais, c'est Petit punk, quoi. T-Punk. du petit punk. Waouh. Ça va réagir là, du petit punk. Non mais dans le sens où c'était vraiment engagé, quoi. Et donc oui. On me dit, est-ce qu'il y a du métal chrétien? Ah, tiens, Ouais, il y a du métal je chrétien, pense. oui. Attends, comment ça s'appelle? Sérieux, du métal chrétien? Ouais, Ouais. ça s'appelle pas du Christian Core, je crois. Un truc Ah comme ouais, ça, un truc comme c'est ça. du Christian Je Core, crois que c'est un truc comme ça. À ouais. vérifier, vous qui À avez vérifier, internet, à vérifier. Le Christian Core. Ouais. Eh ben, dis Ah, donc. ouais. Eh ben, on me dit il y a plus de différence entre certains styles de métal entre eux qu'entre le métal, la pop et le rock, l'électro. Il y a même du métal inspiré du jazz comme Cynic. Le métal reprend très facilement les éléments d'autres genres, ou bien on a des groupes expérimentaux qui évoluent dans leur genre et qui créent des nouveaux codes. Exemple, Meshuggah. Ah Ouais. oui, Meshuggah, oui. Tu peux en parler mieux que moi, je pense. Ouais. Ah. Oui, Meshuggah, c'est des Suédois. Ah, C'est des des Suédois, tiens. Suédois, ouais, c'est des C'est bien, Suédois. parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas trop des Américains. Si, ouais, c'est des Suédois, Meshuggah. Ils ont, à leur époque, ils ont vraiment innové, ils ont amené quelque chose de plus rythmique. C'est une musique qui est plus
basé sur le rythme, et sur les ruptures rythmiques, sur les arythmies, sur le mélange de tout ça, que sur l'harmonie. Parce que c'est, bon, mes shoegaze, ils font un morceau avec une note, hein, une corde, hein, ça leur fait pas peur ça. Mais c'est bien parce que voilà, il y a un vrai travail sur le rythme. Il y a un vrai travail sur le rythme, sur des rythmes qui sont pas carrés. C'est vraiment intéressant. Hein. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et à l'époque où ils ont proposé ça, ils étaient tout seuls. Maintenant, il y a les enfants de Meshuga, des gens qui ont intégré ça. Moi j'ai en tête Périphérie. Le dernier Smash It Combo, il y en a pas mal. Attila. Les choses qui sont diffusées tout à l'heure, a priori. Et tout ça, oui, ça a été. Et ça, ça date de 87. 87, il me semble. 87, ouais, Meshuga, ouais, je sais pas, je dois avoir quelques dates. Il me semble que c'est 87, les débuts de Meshuga. Ouais, c'est ça. 87. Ah ouais. Ah ouais, non, ça date, mais Meshuga, ils ont fait quand même quelque chose. Après, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mais en tout cas, bon... Mais dans un groupe de métal, on va dire, le pilier, c'est quoi? C'est le guitariste? Parce qu'en vrai... Ah, ça a évolué, ça aussi. Ça a évolué. Question piège. C'est dur, ça, comme question, vraiment. Non, mais je pense que ça, c'est une question de personnalité, tout simplement. Ouais. Ça peut être n'importe qui, mais a priori, je pense que quand on chante, on est quelqu'un qui aime... plutôt s'exprimer, on est souvent devant, etc. Donc ça me paraît logique que c'est la personne qui prend les rênes. Ouais, parce que c'est quoi? C'est quand même le guitariste, il va être vraiment essentiel quand même. Plus bien sûr, mais autant que dans le métal aujourd'hui, autant que le batteur. Autant que le batteur. Il y a encore le bassiste qui n'est pas encore super démocratisé, mais le batteur et le guitariste, c'est vraiment le cœur du titre, en fait, en général. Alors on me dit, j'ai vu que voilà. Que pensez-vous des dissidents dans le métal comme Varg Virkenes de Borzum, qui a notamment soutenu Dieudonné? Alors je ne sais même pas qui c'est. Oula, Vous connaissez? Non. Non, c'est pas ça, c'est qu'on veut nous amener sur des terrains a priori. Sur lesquels on n'ira pas. Ah, non mais ça vous fait bien. Non mais vous le connaissez ce groupe là? Sans Varg Virkenes, ou quoi que ce soit. Non, même pas. Je ne connais pas, moi. D'accord. On me dit excellent documentaire à regarder, Metal Voyage au cœur de la bête. Ah, vous connaissez ce code documentaire? Non. Oh, bah, ils vont tout nous sortir sur le métal. On en apprend. Cœur de la bête. Ça me dit. Alors maintenant, je l'ai vu ou je l'ai pas vu. J'avoue. Alors on me dit petite question pour les gens qui me croient sataniste à cause de ça. Pour nos invités, le signe cornu est-il pour eux un symbole du diable ou un signe de ralliement pour les rockers?